Bonjour ma petite Luceur, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui j'ai deux petites choses à vous montrer. J'ai pour commencer deux petits paquets de je ne sais pas mon anglais et moi c'est deux petites packs comme ceci. J'ai le deuxième juste là. On va s'ouvrir ça. Et en même temps j'ai me suis trouvé des petits tutus. J'ai trouvé un petit sac aussi. Ça, c'est l'arrière avec le dos de tous les tum-tum. Et le devant, on reconnaît Tic et Tac, Willy l'ourson. Celui-là, je ne sais pas. L'alien dans Toy Story. Le chat d'Alice. Le chat. Celui-là non plus, je ne sais plus le nom. Le chat dans Aristochat. Oh! Stitch, Mickey, Donald, Minnie, Olaf, Tigrou et Winnie. Voilà, je ne sais pas quoi commencer. Bon, on va commencer par les Tum-Tum. Allez, j'ai montré le sac. Voilà, j'ai un petit Olaf que j'ai trouvé et je trouve trop mignon. Simple mais mignon avec sa petite. Comme ceci. On recommence avec ma petite Minnie, avec ses petites lunettes, je la trouve trop chou, avec sa petite robe, elle est mignonne. Voilà, Minnie. Mickey avec son tuba, son masque, son tuba, sa bouteille de plongée. Je trouve ça trop joli. Je ne sais pas vous dire de quelle collection c'est. Je les ai trouvés comme ça dans un magasin et j'ai foncé dessus. Mon petit Winnie. Il est trop mignon aussi. Tout simple, mais trop mignon. Après, on a petit Donald avec sa bouée et son petit canard. Hop là. Désolée, mais. Voilà. Et son maillot, c'est trop mignon. Trop beau. Après, je suis là, mais je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas si c'est Donald ou c'est la fille. Le nom de la fille, je ne sais pas vous dire. Sur le surf. Trop. Eh bien, femme. Avec son surf. Il est bien fait. Et alors, ça n'a rien à voir avec les Tum Tum, mais j'ai flashé sur mon petit chien de Dalmatien. Il est trop mignon. Avec son petit collier, sa petite ses taches. Je ne sais pas le dire c'est lequel, ou un Dalmatien. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Ça m'aidera. Mais il est trop chou. Alors après, mon préféré, bien sûr. Monsieur Tigrou. Je le trouve aussi trop mignon. Et c'est tout doux, j'adore les toucher. Ils sont trop mignons aussi. Rentre dans ma collection de Disney comme ça. Voilà. On va remettre les petits Tum-Tum dans le sac. Pour le moment, je n'ai pas de place. C'est déjà compliqué de mettre mes figurines pop, si vous voyez. C'est Clochette, Spi, je sais pas quoi, le méchant dans Moche et Méchant. Alors j'ai Buzz l'éclair de 20 ans. Et là, j'ai deux figurines de Crash Bandicoot, la normale et la toute noire, l'édition limitée. Elle est magnifique aussi. Je sais pas si vous la voyez bien, mais elle est magnifique. Je ne les sors pas des boîtes parce que j'en ai pas envie du tout de les ouvrir. Et alors j'avais trouvé aussi un crash de PlayStation. Il est beau aussi, je trouve ça trop joli. Comme ça vous aurez vu ma petite collection qui commence à se faire. Maintenant on va ouvrir des Oh non, c'est des. Je ne sais pas le nom. C'est tout mou à l'intérieur. Ça a l'air pas mal.
J'ai trouvé ça chez Dreamland, si ça vous dit. J'ai acheté ça à Dreamland. J'en ai acheté deux. C'est quand même 5 euros le paquet. C'est pas donné. Du coup, j'en ai pris que deux. On va ouvrir ça tout de suite. Alors, il y a une languette facile à ouvrir. On ouvre. Bien sûr, un moment, ça calme. Je me demande bien ce qu'on va avoir. En pensant à ça, j'ai pas. En fait, je trouve tout mignon. La petite sirène que j'aimerais bien avoir. Maintenant, je ne sais pas si c'est ce qui est là. Le dos, il n'y a rien, c'est juste l'écriture. C'est juste interdit au moins de 3 ans. C'est mieux quand même parce que c'est tout démol. Allez, on va regarder ça. Oh, il est trop beau. Un petit requin. C'est trop beau. Il est bien. J'adore la couleur flash comme ça, mais c'est... on peut faire n'importe quoi. Un petit requin. Il se remet. Requin avec sa bouée. C'est bien, c'est joli. Et ses petites écritures sur les pattes. Mais c'est bien dessiné quand même. Les yeux, les dents, les nageoires. Je trouve que ici ça a un petit peu moins bien fait. Mais voilà quoi. C'est quand même pour se faire écrabouiller dans tous les sens. Du coup, voilà. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez déjà joué avec? Est-ce que vous connaissez? Dites-moi dans les commentaires. J'aime bien. On va ouvrir le deuxième qui a l'air deux fois plus gros. Bon, j'ai eu celui-là. Du coup, si je pourrais avoir la petite sirène, ça me plairait bien. Là, elle est jolie. Maintenant, celui-là, le petit cheval... Le petit canard, il est pas mal non plus. Donc, je ne sais pas si il y a que ce qui est présenté ou s'il y a plus. On va découvrir tout de suite. Oh, qu'il est beau! L'hibou, il n'est même pas présenté sur il n'est même pas présenté sur le paquet. Du coup, il n'y a pas que ça. Mais oh, j'adore. Il est trop bien fait avec son petit serre-tête, sa petite barbe, ses poils, je ne sais pas exactement, poil ou barbe, ses yeux. Oh, c'est trop bien fait. Par contre, il ressemble plus à rien quand on écrase ses pattes. Même la petite queue est présentée. C'est trop chou. J'adore. 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 J'ai une petite dernière chose à vous présenter avant de vous quitter. Ça, je l'ai déjà ouvert. J'ai déjà joué avec, mais c'est trop marrant. C'est une... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pas marqué. Non, c'est spécial. C'est une boule anti-stress. Moi, j'appelle ça. Mais trop chou. Avec... voilà. On voit les petites boules dedans. Voilà. C'est une... Ça s'appelle un truc mystère. Il y a un secret dedans. Et en fait, le secret, si j'arrive à vous montrer... Il y a des petites billes de couleur rose qui présentent un petit cœur à la base. J'ai déjà joué avec, il est déjà plein de poils. J'adore. On peut faire n'importe quoi avec. Mais j'adore parce que c'est bien présenté. Vous avez les petites pattes, les petites mains de devant et puis la grosse tête. Elle est trop magnifique, vous ne trouvez pas? C'est aussi, si ça vous dit, j'ai trouvé chez Dreamland. Souvent, ce que j'achète, ça vient de Dreamland. C'est ce qui est plus près de chez moi. Parce que je n'ai pas beaucoup de magasins de jouets. Et en même temps, je suis très déçue parce que j'ai appris que les magasins de jouets, la grande récré, disparaît. Et c'est là aussi que j'achetais beaucoup. Comme mes petites figurines clochettes. Je sais pas si vous avez déjà montré. Ce sera dans une autre prochaine vidéo. Je crois que je les ai déjà montrées. Si je les ai pas montrées, ce sera dans une autre prochaine vidéo. Que j'avais acheté chez la Grande Récré. Mais les magasins disparaissent. Je suis trop triste. Parce que moi et les clochettes, c'est deux.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche pour avoir à chaque fois que je sors une petite vidéo, et de mettre un petit pouce bleu et des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.